Ce samedi 10 juin, Chantal Goya était l'invitée d'honneur de Bernard Montiel sur le plateau de TPMP People. À cette occasion, la célèbre chanteuse pour enfants a dévoilé de drôles d'anecdotes concernant ses amis Johnny Hallyday et Sylvie Vartan. Ce samedi 10 juin, Chantal Goya était l'invitée d'honneur de l'émission TPMP People, dorénavant présentée par Bernard Montiel. Et la chanteuse, qui a commencé sa carrière au cinéma avant de devenir l'idole des plus jeunes, était venue dans le cadre de la promotion de son grand retour sur scène avec sa nouvelle tournée intitulée La Route Enchantée. Mais l'épouse de l'auteur, compositeur et interprète Jean-Jacques Debout a également profité de son passage sur le plateau de C8 pour livrer quelques anecdotes. Et celle qui a particulièrement retenu l'attention du public concernait son défunt ami, la star du rock à la française, Johnny Hallyday. Chantal Goya se remémore la période où Johnny Hallyday a vécu chez elle. Un vent de nostalgie a soufflé sur le plateau de TPMP People, ce samedi 10 juin. Interrogée par le présentateur de l'émission, Chantal Goya est revenue avec beaucoup d'émotion sur la relation fusionnelle que son mari et elle entretenaient avec le couple Hallyday-Vartan. Il, Johnny Hallyday, était tout le temps à la maison, a-t-elle dit, avant de revenir sur une période en particulier où elle a hébergé le rocker. Jean-Jacques était à New York et Johnny est venu à la maison. Au début, je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire avec lui? Parce que ce n'est pas évident d'avoir un Johnny à la maison. Un jour il m'a demandé s'il pouvait faire venir des copains et je lui ai dit, bah oui, tu es chez toi. Et là je vois 100 bikers dans la rue. S'est-elle d'abord amusée? Avant de préciser qu'à cette période, Sylvie n'était pas là parce qu'elle faisait beaucoup de chorégraphie aux États-Unis. Et cette relation particulière n'a pas manqué d'intriguer Bernard Montiel et son équipe. Chantal Goya et Sylvie Vartan, une amitié comme on en fait plus, et par l'intermédiaire de Daniel Filipacchi, le créateur de l'émission culte Salut les copains, que Chantal Goya fait la connaissance de Sylvie Vartan. Et au fil des années, les deux femmes ont naturellement entretenu ce lien amical et fusionnel, qui les unit toujours aujourd'hui. On est liés par nos enfants. Mais toute sa belle histoire aussi. C'est quand même une petite fille qui, un jour, a rencontré Jean-Jacques Debout. Elle arrivait de Bulgarie, il lui a écrit sa première chanson, qui était si jolie. Pour Johnny, il a écrit pour moi la vie va commencer. Jean-Jacques a connu Sylvie et Johnny très jeunes. Il les a présentés et quand il a compris que tous les deux s'aimaient, Jean-Jacques a quitté la tournée pour les laisser à deux, a-t-elle confié avec une certaine émotion. Article écrit avec la collaboration de 6 médias.